Dis-moi Théo, pourrais-tu dessiner une loutre ? Ah ah, eh bien, pas de problème. Et bam, une loutre ! Coucou ! Bonjour et bienvenue pour une vidéo assez particulière. En effet, la vidéo que vous allez voir va parler de la vie du Lucien Cerf-Volant. C'est donc une vidéo complémentaire de celle sortie il y a quelques temps. Sauf que aujourd'hui, il y aura quelques petites animations. Et ça, c'est plutôt cool. Et contrairement à la dernière vidéo, ce n'est pas moi, cette fois-ci, qui fera la petite animation. Elles ont été créées par Carla Bistouille. Elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle poste ses animations. Et on va pas se mentir, il y a du talent. Je vous mets donc sa chaîne en description, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Je pense que cela lui ferait très plaisir. En plus, pour ce projet, je lui avais envoyé quelques croquis et brouillons, qui sont, comment dire, facilement améliorables. Je viens juste de les retrouver. Nous allons voir le massacre. Donc voilà, petit dessin fait à la va-vite. Mais franchement, celui qui me fait le plus marrer, c'est ce chevreuil. Mais regardez-moi sa tête. Il fait un peu peur. Et elle a réussi à partir de ça à créer un superbe résultat. Allez, c'est parti pour la vidéo. Tout commence sur du bois mort. La larve, une fois sortie de l'œuf, va s'enfoncer dans ce bois mort. Ici, elle va s'en nourrir et grandir pendant environ 4 ans, avant de se transformer en nymphe dans un abri que la larve aura fabriqué. À l'été, la nymphe passera au dernier stade de développement qui est l'imago ou stade adulte. Le lucane sortira du bois mort à la recherche d'une partenaire pour s'accoupler. Les lucanes seront surtout actifs au crépuscule et dans la nuit, où ils prendront leur envol pour se retrouver près de chênes malades pour s'accoupler. Au passage, le vol du lucane est assez impressionnant. À vrai dire, il s'entend d'assez loin. Le mâle, pour séduire une femelle, va se poster fièrement sur de l'écorce ou sur un endroit en hauteur. Une fois que la femelle et le mâle ont formé entre guillemets un couple, aucun autre prétendant ne sera accepté par le mâle. Si un concurrent persiste, il s'ensuivra un combat. Le lucane cerf-volant utilise ses énormes mandibules pour éjecter l'opposant. Après l'accouplement, la femelle ira pondre sur du bois mort. Les adultes se laisseront mourir peu de temps après. Dans quelques temps, naîtront de toutes petites larves. Mais là, vous connaissez déjà l'histoire.